je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dinguerie. Voilà, c'est une vidéo dinguerie. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ce qui m'a traversé la tête et le pourquoi du comment. Vous savez que il y a quelques... Non, vous ne savez peut-être pas. Il y a 2 ans, je crois, je m'étais inscrite en tant que démo Stampin' Up. Voilà. Mais c'était surtout pour m'équiper, parce que vraiment j'avais pas grand chose en feuilles, en cardstock coloré, les tampons, tout ça. Je cherchais quelque chose de pratique, de coordonnées surtout, parce que ben voilà, moi j'aime bien faire souvent du ton sur ton, j'aime bien voilà tout ça. Et puis j'ai fait mes quelques recherches par-ci, par-là, et je suis tombée par hasard sur une démo sur YouTube qui est assez connue apparemment et qui a beaucoup 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 d'abonnés. Mais du coup avec tout le fond, enfin le fond derrière elle, c'est que du Stampin' Up, et franchement, mais ça fait rêver, c'est un truc de fou. Et donc je m'étais lancée. Mais vraiment juste pour m'équiper. Voilà, j'en ai pas parlé autour de moi, j'en ai pas fait de pub autour de moi. Et bah honnêtement, j'ai eu envie, j'ai eu envie beaucoup de partager un peu tout ça avec vous. Et donc la dinguerie du jour, enfin la dinguerie de la semaine, puisque j'ai commandé ça la semaine dernière, j'ai donc reçu mon matériel de présentatrice. Donc quand on s'inscrit chez Stampin' Up, vous avez un budget de 175 € à dépenser sur leur site et vous ne payez que 129 €. Voilà. Honnêtement, ça les vaut, vraiment. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris avec ces 175 €. Dans un premier temps, j'ai pris... Alors c'était surtout pour ça que j'ai voulu m'inscrire chez Stampin' Up. Parce qu'honnêtement, il me fait de l'œil depuis... très 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 longtemps, mais je me suis dit voilà, c'est quand même 30 €, c'est pas rien. Les lames sont pas excessivement chères par rapport aux autres que j'avais avant, sans aucun, il n'y a pas de guerre de différence. Honnêtement, il y a guerre de différence, mais la différence avec les autres, c'est que vous pouvez acheter votre réglette à part. Et ça, je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Quand vous avez besoin, moi je sais que mon ancien Massico, la réglette, elle s'est ramollie, hein, bien évidemment. Bon, là, elle est super dure, on ne peut pas l'écarter. Mais sur mon autre Massico, c'est ça le problème, c'est que du coup, je ne coupe plus droit et je ne plie plus droit parce que la réglette, elle s'est détendue, le plastique s'est détendu, et du coup, ça part un petit peu en cacahuète. Et si vous voulez changer ça, il faut racheter un Massico. Voilà, tout simplement. Donc, je me dis, l'un dans l'autre... ça vaut vraiment pas le coup de se priver. La réglette chez Stampin' Up, elle est à 5 €. Je préfère mettre 5 € tous les 6-7 mois, voire même une fois par an, parce qu'honnêtement, le Massico fait très 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 longtemps. Les lames, on les change régulièrement parce qu'on coupe beaucoup, mais la réglette en soi, elle s'abîme pas si facilement que ça. Mais je me dis que tous les 5 € tous les je ne sais combien de temps, ça vaut vraiment pas le coup de se priver, quoi. Alors il est à 30 €, je crois, de mémoire, à l'achat. Mais honnêtement, ça en vaut la peine. Parce qu'on peut changer cette réglette qui bouge et qui fait que du coup, on ne peut plus faire de découpe droite dans le temps. Voilà, ni de coupe, ni de pli. Donc, il est fait comme les autres. Hein. Un truc de pli, un truc de coupe. Il s'enlève de la même manière que les autres, tout simplement. On a juste à le glisser et à le mettre dans la rainure. Et voilà. Il n'a rien de plus, rien de moins que celui que j'avais avant. Mais au moins, cette partie-là du Massico se retrouve et se rachète. Voilà, c'est tout ce que je recherchais. Parce qu'honnêtement, j'en ai marre de me racheter des Massico tous les 2 ans, quoi. Honnêtement, j'en ai vraiment marre. Alors après aussi, je sais que j'ai aussi une guillotine. Mais la guillotine est très imposante. Et pour plier, on ne peut pas se servir de la guillotine. Moi, j'ai vraiment besoin d'un outil qui fasse les deux. Et c'est le seul que j'ai trouvé. Enfin, le seul. Non, les autres fonctionnent très bien aussi. Mais... à court terme, puisque je vous dis, la réglette, elle s'est détendue. Bon, je vais pas aller le chercher pour vous le montrer, mais la réglette, elle s'est détendue. Et du coup, là, au moins, on peut racheter la réglette toute seule, toute nue, tout simplement. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une super chose. Donc, c'est vraiment cet outil qui m'a poussée à me réinscrire en tant que présentatrice, en tant que démo Stampin' Up. Donc, voilà, c'était vraiment cet outil-là. Ensuite, j'ai repris cette petite chose
Mais parce que je la trouvais trop mignonne. J'en avais pas forcément besoin, mais pour des petites découpes, si, je pense que ça peut être super top. J'ai pris la mini machine de découpe. Alors, je la trouve trop kiki. Regardez, par rapport à mes mains, elle est vraiment minuscule. J'adore. Elle est trop belle. Elle est trop chou. Et je ne l'ai pas encore essayé parce que je voulais vraiment pas abîmer les plaques avant de vous faire cette vidéo. Et donc, regardez un petit peu la taille des plaques. Elles sont minuscules. J'adore, je kiffe. Et donc là, vous avez votre petit, un petit guide de démarrage pour vous servir des plaques. Donc, et dessus, sur chaque plaque, vous avez à quoi elles vous servent. Donc là, vous pouvez utiliser les classeurs de gaufrage standard. Celui-ci, c'est celui en 3D, voilà, avec le plioir à gaufrage 3D, donc c'est les très épais. Ici, vous avez la plaque que vous utilisez avec vos deux plaques transparentes sandwich. Et voilà, vous avez ces petits accessoires-là. Mais je la trouve vraiment trop mignonne, cette petite machine. Donc, on utilise uniquement ces trois plaques-là pour un die basique. Vous mettez votre petite plaque blanche, votre plaque transparente, votre feuille, votre die, vous mettez votre sandwich, paf, vous la passez dans votre machine et ça roule tout seul. Enfin, ça roule tout seul. Non, il faut maniveler, hein. On tourne la manivelle. Mais voilà, ça passe très bien dans votre machine, sans aucun souci. Et moi, je la trouve trop mignonne. Vraiment, je suis méga fan de cette petite machine. Celle-ci, elle est en promo en ce moment. Elle est à 77 €. Mais la blanche, enfin la couleur Stampin' Up, elle est à 80 de mémoire. Mais il me semble qu'il n'y en a plus beaucoup et que du coup, si vous la voulez, c'est maintenant. Parce que je ne sais pas si elle va durer encore très très longtemps. Et moi, je me dis que 3 € d'économie, bah, c'est toujours ça de prix, hein. Et donc, ce qui m'a plu aussi sur cette petite machine, c'est que bah, ça fait du bruit. Elle se range, elle se plie et elle prend pas de place. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Puis elle est vraiment trop kiki, quoi. Je suis fan. Moi, j'aime tout ce qui est petit, tout ce qui est mini. Et là, pour le coup, je suis fan. J'ai également pris un lot, évidemment, de lames. Pour mon massicot. Oh, celle-ci, elle a bougé, ça c'est pas grave. Voilà, le lot de lames, je crois qu'il est à 14 €, je crois, 14 ou 15 €, les 4 lames. Donc pas excessif. Il me semble que c'est ce prix-là. Mais vous pourrez aller voir sur le site vous-même. J'ai pris également ceci, donc c'est un lot, pareil. Donc, vous avez la perfo et le lot de tampons. Donc, je trouvais les citations super jolies. Donc, monsieur et madame, hein, pour un mariage, souffle tes bougies pour un anniversaire, toutes nos condoléances. On en a rarement. Livraison de Calin Express, celui-là, c'est celui qui m'a fait craquer parce que je le trouve vraiment trop beau. L'écriture, la position de l'écriture, je la trouve vraiment très, très jolie. Et moi, ce que j'aime chez Stampin' Up, c'est que vous avez plusieurs langues possibles. Donc, si vous voulez de l'anglais, vous pouvez très bien prendre en anglais. Si vous voulez de l'allemand, ils font de l'allemand aussi. Je ne sais plus s'ils font de l'espagnol, mais il me semble. Et ils ont le français. Et ça, je trouve ça génial. Toutes les citations, tous les mots peuvent être dans les plusieurs... Enfin, vous avez les lots en plusieurs langues. Et ça, je trouve ça super top. Et donc là, vous avez que cette journée spéciale te comble de joie. Ici, on a une petite feuillage, un petit cœur, une petite déco ici. Et on a un pour toi. Et donc, on a évidemment le tampon avec les petits pois. On a le tampon avec les petits pois et les contours. Et vous avez la perfo qui va avec. Voilà, ça va tout pile avec. Vous pourrez découper, vous voyez, vous avez vos tampons qui sont ici. Ça va pile poil vous découper le contour de votre écriture. Donc ça, je trouve ça génial. Vous pouvez très bien donc tamponner ce motif-ci, mettre la citation à l'intérieur et prendre votre petite perfo et paf, vous découpez votre petite citation. Et je trouve ça super chouette. Donc voilà, j'ai pris ceci. Et pour combler, on va dire, il restait 4,50 €. Je ne savais pas trop quoi faire parce que j'ai déjà pas mal de matériel de chez Stampin' Up. J'ai déjà tous les tampons basiques qu'on peut avoir avec les crayons qui vont avec. Enfin, les feutres. Et j'ai les feuilles qui sont coordonnées au tampon.
Je les ai pas tous, enfin j'en ai un exemplaire de la collection basique et les autres je les ai pris en plusieurs exemplaires, donc j'ai vraiment le gros paquet de feuilles à chaque fois et ça c'est plutôt top. Bon, je vous avoue que les cardstocks sont assez onéreux, mais j'en utilise très peu et du coup à chaque fois que j'en utilise c'est coordonné avec le tampon et le feutre, donc ça c'est plutôt chouette. Moi j'ai trouvé vraiment l'idée géniale. Et donc je disais, pour combler, il me restait 4,50€ à utiliser et j'ai pris des petites pochettes toutes simples Stampin' Up. Je les ai trouvées très jolies, à l'intérieur elles sont comme ceci. Vous avez deux rabats pour pouvoir y ranger vos petits documents, pour pouvoir voilà, préparer vos petites réunions ou ceci ou cela. Je suis pas certaine de faire des réunions parce que dans ma région il y a, je crois, pas beaucoup de scrapeuses, mais au cas où j'ai au moins des petites pochettes pour ranger et ben par exemple mes albums en cours, je peux très bien ranger toutes les feuilles que j'utilise, que je découpe, ou les chutes de papier que je peux utiliser pour chaque, avant de ranger bien évidemment quand j'aurai terminé mon projet. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai acheté pour 175€. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Il y a deux outils qui sont quand même assez chers, mais du coup je trouve que c'est plutôt chouette de pouvoir partager cette aventure avec vous. N'hésitez pas, j'ai les mini catalogues, bon bah là de janvier à avril du coup il reste plus que le mois prochain, mais au cas où si vous avez besoin de quelque chose, si vous voulez regarder justement ce petit catalogue, le feuilleter de chez vous et pour au cas où vous donner quelques petites idées pour passer des commandes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, j'en ai quelques-uns, je peux vous les envoyer sans problème, avec grand plaisir. Et vous verrez, hein, il y a toutes les promotions du moment, il y a tout. Celui-là me fait de l'œil aussi, les poinçons timbres intemporels. Je les trouve vraiment très très sympas. Voilà. Après, vous voyez, hein, il y a plein de petites choses. Vous pourrez le feuilleter, le regarder, noter tout ce que vous voulez. Vous voyez, la mini machine de découpe, elle est à 80€ en blanc et... blanc et marron, de la couleur, enfin là c'est du gris, de la couleur de chez Stampin' Up, et en grand elle est à 155€. Mais je la trouvais pas très très grande pour ce prix, du coup j'avais pas voulu prendre la grande. Voilà, donc après bah, vous pourrez le feuilleter, et dans tous les cas, je vous mets dans la barre d'infos mon lien de présentatrice, et vous pourrez aller tout regarder sur le site s'il y a des choses qui vous intéressent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser, j'y répondrai avec grand grand plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas, il y a des choses vraiment très très sympas. Bon bah moi les collections de papier, je suis pas très fan chez eux. Après, il y en a certaines, oui. Hein. Celles-là sont très jolies, mais moi, je m'en servirai honnêtement pas. Ça me fait un peu penser aux collections Action. C'est ça le problème avec ça, c'est que ces collections-ci, on les a à un certain moment et on ne peut pas les avoir le reste de l'année. Donc, je préfère ne pas prendre plutôt que de me retrouver avec des collections que je ne pourrais pas proposer plus tard dans l'année si jamais je veux les travailler plus tard, quoi. Mais ils ont vraiment des tampons, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup leurs tampons, citations, écriture et tout ça. Là, c'est Youpi, c'est ton anniversaire, c'est super sympa. J'en ai vu des pas mal. Hein. Vous voyez, là, c'est en anglais, vous pouvez très bien le prendre en anglais. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Avec toi, je me sens si bien, tu es mon univers, je pense à toi très fort, à la meilleure des mamans. Tous mes voeux les plus sincères, gros câlin, tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. Je ne te remercierai jamais assez. Une fleur parmi les fleurs, mon amour dépasse toute mesure. Et ça, je trouve ça vraiment très très sympa. C'est pareil, tout ce qui est tamponnage, fleurs, feuilles, tout ça, je ne prendrai pas. Ça, c'est des choses que j'ai avec Herfeld qui sont bien plus détaillées et bien plus faciles à travailler, j'ai envie de dire. Mais après, libre à vous, si vous voulez vous y essayer... il n'y a aucun souci là-dessus. Cette collection-là, elle est vraiment très jolie. Hein. Mais voilà, c'est ça qui est dommage, c'est que c'est vraiment pendant une période et du coup, il faut vraiment tomber sur l'occasion. Donc voilà, ça c'est le lot que j'ai pris avec le poinçon qui va avec. La perfo, pardon. Les petites abeilles sont choues comme tout. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Je pense à toi, un petit mot pour te dire. Je pense à toi. Ouais, il est vraiment très très chouette celui-ci. La petite boîte aux lettres et tout. Bon, après, il faut voir la... Donc voilà, ce petit catalogue, je l'ai en plusieurs exemplaires. N'hésitez pas à me le demander, je vous l'enverrai avec grand grand plaisir si jamais vous avez envie de le feuilleter.
Au pire, vous avez de toute façon, je vous dis, le site internet dans ma barre de dans la barre d'infos. Je vous mettrai bien évidemment le lien de présentatrice, mon lien de présentatrice. Et puis, libre à vous de feuilleter toutes les pages. Vous verrez, ça fait envie. Hein. Vraiment, tout fait. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font envie. Voilà. Donc, moi, après, voilà, j'ai le gros catalogue. Mais ça, vous pouvez très bien l'avoir sur Internet. Ça ne vaut vraiment pas le coup de l'avoir en papier. Puis, il est assez lourd. Donc, à envoyer, c'est pas pratique. Mais si jamais vous en avez besoin, j'en ai aussi. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de quoi que ce soit. De toute façon, moi, je vous ferai des retours sur tout. Hein. Vous savez que je suis très honnête. Je ne suis pas là pour, voilà, pour me mettre des fleurs ou pour dénigrer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je suis honnête. Je donne mon avis par rapport à mes besoins à moi. Voilà. Pas de cachotterie, pas de mensonge, rien. C'est vraiment tout frais, tout sorti, tout cash. Je ne brode pas. À moins que ce soit sur une toile, mais ça, non. Non, mais pas de mensonge chez moi. Vous aurez tout, vraiment, tout le retour que je peux vous donner, que ce soit en positif ou en négatif. Vous savez très bien comment je suis. Je dis tout ce que j'ai à dire. Voilà. Je donne mon avis de toute façon. Le massicot, je l'ai déjà testé, là, tout à l'heure, pour faire mon album. Honnêtement, il est génial. Mais il est neuf. Donc, à voir après, par la suite, avec l'utilisation. Mais pour l'instant, il coupe très, très bien. Il est fluide. Comparé à celui que j'ai d'avant, maintenant, et avec la réglette qui se décale un petit peu, bah, il est super dur. Voilà. Pour l'instant, je suis conquise, vraiment. Donc, à voir par la suite la petite machine, voir comment les plaques durent aussi. Je testerai tout ça et je vous en ferai des retours par rapport à mon utilisation à moi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la barre d'infos pour aller voir mon petit... Le site internet de Stampin' Up. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être conseillé sur une couleur, sur une gamme, n'hésitez vraiment pas à venir m'en parler. Vous pouvez très bien venir par message privé sur ma page Facebook Petite Fée Crochette. Vous pouvez très bien m'envoyer un mail. Vous pouvez très bien ce que vous voulez. Partout où vous avez mes coordonnées, vous pouvez très bien me contacter. J'y répondrai avec grand plaisir. Ou en message ici sous la vidéo, il n'y a aucun problème. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas, quoi qu'il en soit, si vous avez la moindre question, je suis là pour y répondre. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.